Yep. Eh bien, salut tout le monde, c'est Gunner, vous allez bien, et je vous retrouve pour un nouveau stream sur Super Smash Bros. Ultimate. Et oui, là, un petit live le matin, petit live matinal, ça me fait plaisir. Pour ceux de la radio, je vous fais un petit coucou, bien évidemment, parce que ça fait toujours plaisir. Et aujourd'hui, on va faire du Smash, tranquillement, posément, ça fait plaisir, quoi. Donc là, vous entendez la musique derrière, c'est vrai que j'ai mis une musique qui est non copyright, libre de droit. Donc normalement, j'aurais pas de soucis à me faire. Bon, pour l'instant, là, je sais pas si le son est méga fort, parce que moi, en fait, le son est méga fort dans mes oreilles, mais sur le stream, c'est différent. Il sera sûrement moins fort, quand même. Je regarde le stream, ça a pas l'air de lag, ça a l'air plutôt correct. Donc, ça fait plaisir. Et bon, là, pour l'instant, je vais commencer à jouer random pour faire quelques parties de chauffe, et puis après, je vais. Probablement prendre un personnage pour jouer du coup parce que voilà mais... et c'est tout quoi. Attendez une petite seconde. Hop. Bon, on va voir comment ça se passait, on va voir s'il y aura des gens ou quoi. Let's go baby. Oh, il y a un truc que je comprends pas pourquoi il a commencé à aller dans une autre musique, tu sais. Bref. Bien, ce que je peux faire, c'est copier-coller dessus, comme ça je suis sûr qu'il fait que le lecteur en boucle. Comme ça au moins là, ce serait que elle tout le temps et c'est tout. Pas de problème. Bon. Bon, on attend tranquillement. On attend que un valeureux gladiateur, si je puis dire, rentre dans l'arène. Ouais, je joue random pour l'instant, écoute. Hein. On est là, on est posé. Quoi, normalement, c'est vrai que les musiques. J'avais déjà mis des musiques libres de droit pour un live Mario Maker 2 à un moment, quand j'étais tout seul. Parce que là, du coup, en plus, c'est vrai que vu que je suis seul, j'en profite parce que du coup, ça me permet de mettre une musique en fond. Parce qu'en fait, il faut savoir que le problème, c'est que si je commence à mettre des musiques pendant qu'il y a des gens avec moi, en fait, il y aura normalement le retour des sons en écho. Ce qui est pas forcément ouf, quoi. Et vu que là, normalement, je serai seul pendant toute la matinée, bah, j'en profite de mettre de la musique et. Un peu épique et voilà quoi, ça fait plaisir. Après avoir, faudra que j'essaie de trouver d'autres musiques épiques, ce sera vraiment stylé. Il faudra toujours que je vérifie si les OST d'animé ça se passe comment, s'ils sont en copyright ou non. Faudra voir. Parce que du coup, bah. Si elles sont pas copyright, bah tant mieux, let's go, tu vois, tu fonces. Tu fonces et tu mets des musiques d'OST d'animé hyper stylées, j'en ai quelques-unes comme l'OST de Genos dans One Punch Man, l'OST dans la saison 2 plutôt. De Genos dans One Punch Man qui est juste incroyable. Après il y a quoi aussi, il y a aussi bah, les OST de Fire Force, peut-être des OST d'Attaque du Titan qui peuvent être vraiment stylés après avoir parce que peut-être qu'elles sont plus copyright, je sais pas. Bah je sais pas parce qu'en fait par exemple dans ce truc dans une musique, enfin dans un truc France, des OST de One Piece aussi. Ah l'idée et le code. Ah Mister Sunrise, comment tu vas? Attends je te le passe tout de suite. Dis-moi si la musique en fond n'est pas trop forte par rapport à ma voix. Parce que moi j'ai pas le même retour, tu vois. Bon là y'a plus de musique donc tu peux pas vraiment répondre mais voilà. Merci et ça va, ok. Ah, parce que du coup vu que moi en fait genre moi en fait le son dans mes oreilles tu vois contrairement aux personnes qui sont sur le live, moi le son il est multiplié par 10 quoi tu vois. Genre moi j'ai le son à fond dans les oreilles et les gens dans le stream du coup non, ils ont le son normalement un peu plus réduit. Mais moi j'ai le son méga à fond dans les oreilles, limite je m'entends presque plus parler. Donc c'est pour ça que je demande. Alors moi aussi j'ai aussi un peu baissé la musique du jeu pour pas que ça fasse une musique chelou entre la musique en fond et la musique du jeu. En plus je crois que les musiques du jeu sont peut-être copyright parce que parfois je me fais tu sais je me mets un truc son coupé parce que y a des moments où on attend et que du coup la musique elle comment dire. Mais la musique du jeu, la musique de Kirby que je mets, en fait elle est copyright je crois.
Du coup, normalement, je ne vais pas avoir de problème avec la musique. Alors, je m'attendais à Mister Sunrise en fait, pas un Killian sauvage de manière extrêmement violente. Bon bah, pourquoi pas. Ah ouais, tant qu'il rejoint pas le Vogue, moi ça me gêne pas. Hein, parce que... C'est vrai qu'il a une grosse hitbox ce perso. Genre il est sacrément buggé. Bon, d'un moment. Il va pas me laisser SP par contre ce bâtard. Attends, j'arrive, j'attends juste devant un perso. Ah putain, mais c'est une box frère, je peux rien faire gros, il est pété. On va juste m'expliquer comment il s'est pas pris mon attaque, pourquoi pas. Ah putain, dash attaque de merde. Ah mais il est pété frère, la hitboxer bizarre. Oh, elle a une hitbox, elle est abusée. Est-ce que Mister Sunrise est son perso? Non, apparemment pas encore. En plus, le tout, il est sacrément léger en plus, donc top, bonne chance pour faire de bonnes attaques. Quoi. Oh putain. Non mais frère, les air dodge dans le vide, mais j'en peux plus de ça. Non mais c'est pété de ouf, son perso de con. Ok, ça va, le mec il vient de tranquillement... Eh frère, son perso est abusément abusé en fait. D'accord. Ça c'est juste Vaterfoot apparemment. Mais what? Mais moi je ne touche même pas, tu vas me dire.
Non mais, ta mère. Oh mais il me touche, mais c'est abusé. Mais ce truc me touche même pas. Mais la Xbox de Orbinar elle est vraiment pétée en fait. Perso je veux acheter Sora mais mes parents veulent pas. Ah merde. Mais putain mais c'est incroyable à quel point la Xbox de Orbinar elle est juste casse-couille en fait. C'est même pas à quoi t'attendre. Genre à tout moment la Xbox elle fait bah ni ta mère. Je fais bah non en fait je te touche quand même. Enfin, genre c'est abusé quoi, la Xbox de Orbinar. Putain. C'est mon père qui peut toucher des trucs abusés, c'est ça aussi c'est abusé. Bah ouais, bah forcément, je peux rien faire, putain de merde. Bah ouais, bah forcément je peux rien faire parce que je merde. Ah, je peux pas arrêter, pas vraiment. Oh putain, il fait même pas ce que je veux. Ah ouais mais le Down Smash de Megaman est tellement chaud à placer que c'est juste impossible de placer en fait. Hein ? Oh putain mais pourquoi les Ice Cream Dust? Ils sont super chauds à jouer en plus. Ah ouais, il a pas réussi à... J'arrive dans 5 minutes.
Oh putain, jeu de merde. Le truc, c'est quand même pas de portée en fait. Et cet enculé qui se retourne pas alors que je l'ai été bloqué à droite, mais c'est pas grave. Bah non, tu sers à rien. Tu ne sers à rien. L'escalator c'est quand même assez chaud à jouer hein, après, si tu sais pas du tout gérer les deux, c'est impossible quoi. Ce que le pire c'est qu'il y a plein de techniques à faire avec les Scrimbers, mais c'est tellement chaud à jouer et à désynchroniser que... Putain quoi, si tu connais pas, tu pourras absolument rien faire, et genre abuser. Tout compte fait, je dois y aller, j'ai une convention. Ok, ça marche, c'est vrai. Si tu veux. Ah, forcément, c'est pas un fait. Ciao, salut. Le bac est abusé. Ah, j'ai mal posé la bombe, putain. Ah mais la bombe, la bombe. Putain de merde. Possible de la caler cette bombe de merde. Sauf que faire Mr. Gamache c'est tellement dur à jouer par contre.
vraiment son backer, franchement c'est limite, j'aurais préféré inverser les deux quoi. T'inverses le backer et le fer, c'est beaucoup mieux. Bah après ça le rendrait peut-être plus cheaté qu'est-ce qu'il est le jeu, mais bon. Je sais pas, pour moi ça aurait été même plus logique en fait de faire l'inverse. Parce que genre le backer, tu sais, c'est en mode tu poses une bombe derrière toi, tu sais, c'est... Je sais pas, genre pour moi ça me paraît logique, tu sais. Donc tu fais un PRA, tu vois, attaque surprise, tu vois. Et le fer, bah c'est un fer, tu vois, normal. On va faire son fer, perso. J'adore ma vie. Non, non, mais là, aussi, nique ta mère, le jeu. Et il te peut vite. Bah là, je savais pas quoi mettre, bordel. Putain. Non mais tu te fous de ma gueule là, putain de robe. Putain. Et voilà. Mais ton paquet n'a pas touché, putain. Le truc m'a touché alors que j'étais pas dans son putain de truc. Je voulais esquiver, mais j'adore ma vie. Ah putain, mais... Oh là là, il esquive, hein, c'est abusé. Putain, pour revenir, tu peux rien faire. Là, j'en peux faire la toupie, mais. Ou le laser. C'est vrai. Bon. Facile à esquiver, quoi. Pas très optimal. Oh là, il... Pourquoi pas. Non, putain de merde, j'ai le village dépressif qui a envie de se suicider. Ah mais mon frère, il touche pas aussi, putain. Putain, mais je peux même pas grave, mais c'est quoi ce jeu de merde? Oh.
Et moi, mon lance-pierre n'arrive même pas à le toucher parce que on adore ce jeu. Oh, mais il est même pas fouchu de le toucher, quoi. C'est pas abusé. Attends, mais tu me gâtes, c'est ça ton père? Je peux même pas esquiver sa tech parce qu'elle est juste chiante en fait. C'est quoi ce putain de bruit? Mais what? Mon PC est hacké, bordel! C'est quoi ce bordel? T'as remonté! Mon PC est hacké, frère! Y'a un jeu qui s'est lancé tout seul! What the fuck? Mais wow! Mais c'est quoi ce bordel? Mon PC était full bugué là! Putain, en plus ma souris est éteinte, on prend pas. C'est bon, le PC bug lui. Oh là là mec, mais c'est quoi ce bordel? Mais mec, il y a un jeu qui s'est lancé tout seul. Mais c'est quoi ce bordel? Mais mon PC il est bugué ou quoi? Gros, je te jure, il y a un truc qui s'est lancé tout seul. Allez, refuse-toi bordel de la vie. Mais frère, par contre, j'ai Total Accuracy de Tabs qui s'est lancé tout seul, gros. C'est quoi ce bordel? Le jeu frère, il a dit, allez, je vais me lancer tout seul. Putain, mais tu m'étonnes, mais mec, je comprends rien, il y a un truc, c'est tout seul, j'ai rien fait, j'ai même pas tout pété. Bah alors, je jouais, mais... C'est quoi ce bordel, gros? Bah, je te jure, c'est chelou. Bon, là, apparemment, c'est refluidifié. Mais la vache, quoi! Je te jure, c'est trop bizarre. J'ai un jeu, il se lance tout seul, il a fait mon stock. En fait, je comprends pas comment elle tient sa putain de fluidifier en fait. Salope. Ça c'est aberrant. Ah ouais.
Putain, je comprends rien à ces flottements de con. Oh putain hein. GG en tout cas. Putain, par contre, le bug de Taz là, ça m'a fait flipper, gros. En plus, il a ouvert un truc tout seul, ça m'a fait flipper. GG, merci. Ça marche. Merde. C'est le fail. Ah bah, y'a rien. J'ai voulu esquiver, mais bon, malheureusement. Ah ouais, là, je suis en plein dedans. Putain, il a empêché mon... Ha ha ha!
Albat. Ah, je voulais aussi jump. Ok, ça marche. Juste parce que je fais un putain de chargement de merde, c'est guide. GG. Putain, ce combat, c'est MDR. Il y avait deux plantes piranha. Le duel de plantes. Ta gueule. GG. Attends, je vais voir si ça peut être techniquement une erreur de fois MDR. Attends. Est-ce que techniquement le T et le G... Ah ouais, ils sont collés, ouais, c'est bon, ça va. Ça peut être une faute de frappe. Ah ouais, mais il était 10h30. Mais je le mange au goûter. Je mange un au goûter et demain matin, j'en mange un. Mais d'accord, je peux même pas esquiver en fait. Putain, je voulais esquiver son truc de merde, mais... Non, je voulais faire d'autres smash, donc tu l'es tué. Putain, le truc, c'est que je le vois même pas sur l'écran. Ah ah ah, je me merde. Ok, la douille. Ah, dommage.
Oh, mais je pensais pas le toucher. Ok, d'accord, la douille. Captain Cheater, salut. Idée. Alors, je crois que Captain Cheater, c'était un peu trop play, je crois. GG en tout cas. Comment j'étais pas si haut pour cent? Bah, c'est Smash. Vous savez quoi, j'avais même pas regardé tout le temps, je voulais juste mettre un Smash, mais c'est pas. Je sais pas, peut-être parce que Bowser Jr. est un peu léger, Kriglé ça va rester un poids lourd donc c'est pas mal de dégâts, peut-être, j'en sais rien. Ah ouais, il est comme ça lui. Il a même plus de respect. Ta mère. Putain, on a tellement le temps de placer un smash alors qu'on est en putain de... Mais ma touche d'où? Ça fait même pas de problème cette merde! Putain, ouf, XD. Ça sort le beau petit Bowser. Ouais, il m'a touché alors que je suis putain de Titana, gros. Mais pourquoi je vais dans ton truc? Bon, moi je sauvais l'honneur, mais pas les couilles. D'accord, nique ta mère. Nique ta putain de merde, jeu de merde. Je pense que ça sera un 2 stock. Je pense aussi, MDR. J'aurais dû contourner l'ultra l'air quoi, mais putain, je me suis dit que techniquement on peut s'échapper au bout de nerfs. Mais bon, le jeu il a fait va faire foot. Alors, on va voir Captain Cheater. Bon, j'ai 3-0 pour Captain Cheater MDR, mais. Vaut mieux toujours rêver que de. Voilà. Par contre, Captain Cheater, ouais, au lieu d'essayer de cheater, essayer d'avoir une bonne co, ce serait pas mal. Alors, bon, pour l'instant, on a Ken qui se prend des petits coups. Captain Cheater qui là se prend un bon petit hubby des familles, on se touche, c'est normal. Ah, le habit de Kirby. Ah, c'était mal calculé de la part de Kylian. Là, tu vois, il a enchaîné neutral air, vert, back air. Voilà, petit habit. Aonspire, la frame, le frame lag. Ouais, effectivement, là, c'est bien lagué. Hein, c'est à cause de Captain Cheat. Il est en train de bugger sa mère. Parce que tout à l'heure, ça se passait très bien, la co, mais là, ça lag. Dès que c'est Captain Cheater.
Voilà, là, il va se prendre le bi. Ah non, ouais, je pense que Ken a mal calculé son coup. Je pense qu'il voulait. Je pense qu'il s'est dit que ça serait très devant lui, mais malheureusement non. Ok. En fait, je pense que c'est tellement qu'il peut pas jouer en fait. T'aimes les NES? Personnellement, moi je m'en fiche. C'est, pour moi, c'est pas un problème du tout. Alors, en vrai, NES c'est pas du tout des persos que je déteste le plus. Hein. Franchement, il y a des persos que j'aime encore moins. Là, il va faire un bi. Voilà, c'était sûr. Est-ce que t'es fort Bah attends, si tu veux l'idée aussi. Si tu veux rejoindre. Après moi je sais que parfois j'aime bien jouer un petit peu NES, mais bon je suis pas très fort avec NES, je dois avouer. Mais parfois j'aime bien jouer. Ah enfin. De quoi ah enfin. Moi, je dois avouer que voilà, NES, personnellement, je sais pas trop bien jouer non plus, mais parfois ça me fait plaisir de jouer parce que il est mignon et j'aime bien en fait ses attaques. Voilà, elles sont marrantes. Quelqu'un qui me dit pas NES Cancer. Bah, tu sais quoi, moi, je veux que je te dise un truc. Si tous les mecs que t'as croisés t'ont dit NES Cancer, c'est simple, c'est que c'était des mecs qui savaient pas jouer. Voilà, tout simplement. Voilà, comme Bronol l'a dit, plus t'es débutant, plus t'aimeras moins NES et Kylian qui suicide. Bonjour, au revoir. Oh, il a sauvé la vie! C'est beau. Personnellement, moi, il y a vraiment des persos que je déteste encore plus que NES. Enfin, NES, franchement, ça fait pas partie. Ça fait pas partie des persos que je déteste le plus, quoi. Il y a vraiment des personnages que je déteste encore plus que ça. Genre, il y a par exemple Rondoudou, je le déteste. Enfin, je le déteste, je l'aime pas plutôt. Parce que je dirais pas non plus que je le déteste. Entraîneuse Wii Fit, je l'aime pas non plus. Il y a qui sinon que j'aime pas trop. Putain, c'est qui déjà? Bah, en vrai, Air Bizarre, je trouve ses hitbox totalement abusés sur certaines de ses attaques. Y'a qui aussi qui est tellement chiant à combattre? Ah, au revoir! Et je crois qu'il peut revenir en vrai. Ah non. Le petit Bowser Side des familles. Mais ouais, sinon, non, NES, ça va, hein. Mais wesh, mais... Oh, merci pour le follow, Sous Luigi. Non, Sweet, attends, quoi? C'est un... ouais, je dis, c'est un rêve. C'est bon, là, avec les 7 billes, là. Ah, je crois que ça rage. Coucou, salut. Bah c'est le principe des side B mon cher Captain Cheater. Ah oh, Falco, oh là, je sais pas jouer. On va tenter hein, mais bon. Ah je voulais esquiver mais bon. Ok, apparemment faut pas trop tenter avec. Bah, alors, moi, Smash ne s'est pas du tout fait. Là, va savoir pourquoi. Putain, mon backer n'est pas passé. Abusé. Comment vont-ils? Bah ça va bien. Et toi, mon cher Luigi? Oh putain, abusé. Bah un peu il spam quoi. Non mais Ken, t'avais pas besoin de te suicider hein.
pas ou... Ah ouais, chaud. Oh, ça c'est pas beau, ça. Non. Oh. Ah bah. Ah ouais, d'accord. Le cheat. Par contre, c'est bizarre. J'ai fait des games avant de rejoindre le stream. Ça buguait pas, mais j'accuse pas le stream non plus. C'est juste le... je constate. Comme ça t'accuses pas le stream, mais de toute manière ça peut pas être qu'il y a des mots parce que depuis tout à l'heure on faisait des combats mais t'es... nous on buguait pas donc ça peut être qu'une seule personne hein Captain. En tout cas pour ceux qui veulent rejoindre voilà. Ça fait zizia. Ah ouais, effectivement, quand c'est Captain Cheat, ça lag, hein, donc... Falcoops. Falcoops, ouais, Falco, j'ai du mal à le jouer, hein. Je connais un... J'ai un pote qui sait bien le jouer, mais moi, je sais pas le jouer. So, par exemple, je sais même pas le... L'un des titres, là, je sais plus c'est lequel, celui qui fait un peu en arrière, je sais plus c'est le... Là, il va refaire un side B. Enfin, l'autre, il va faire un B. Là, il va ressauter. Ah dommage, dommage, c'est bien tenté. Là il va le toucher avec le B normalement, ouais, voilà. Vas-y, tente un don't be, un don't be, un don't be. Un don't be. Un BC. Oh. Là, set. Ah, il a raté son set B. Mais vraiment Captain Cheat, il bug à mort. Oh le set B. Forwarder, pardon. Là il va tenter un... D'accord. Oh. Là il va vite, faut vite qu'il se barre parce que le B va le toucher. Bien joué, là c'est... Ah dommage. Ah dommage. Il s'est raccroché au bord. Ah attention, oh là ça va faire mal, là il est mort. Normalement. Ah non même pas, putain. Kirby, nouveau tank, MDR. Attention, attention, là il va B, Kirby. Ah non. Oh, là il va B. Voilà, là maintenant il va B. Oh le petit saut, oh le petit saut. Ok, jab. Je pense pas qu'il meurt. Non. Là il va tenter un back air. Ah, dash attack est raté. Ok, B. Ah, d'accord, depuis tout à l'heure le combat se passait au bord là. C'était un combat à football, c'est à la limite l'autre partie du terrain, ça va dire. Ah là le foratif qui tue ça bien évidemment. Bah là regarde, là techniquement sur la première stock, je suis désolé, il n'y a pas spam du tout le side B. Hein. Déjà, là, tu peux pas dire qu'il spam. Cette première stock, en tout cas, il a pas spam. Ok, down air. Attention, là, side B, obligé, ouais, pour punish. Là, boum, il fait des gros dégâts. Là, il va tenter un forward air. Non, apparemment. Il a pas tenté. Là, il aurait dû faire le B, hein. Le B sur Bowser en bord de terrain, quand le mec juste se relève, c'est abusé parce qu'il touche tout le monde. Le seul moyen de contrer le B, c'est de faire comme Kirby, enfin comme, c'est-à-dire de redescendre et refaire une attaque par-dessus. Ou alors attendre. Si tu attends aussi, ça passe. Comme ça après, t'as toi qui termine et après tu le défonces la gueule. Side B là, ouais, c'était sûr. Bam. Bon, donc là, il a fait que deux fois, on retient. Le deuxième stock, il a fait que deux fois Side B. Donc c'est pas spam. Toujours. Il a fait que au début de la stock et pour terminer la stock, donc c'est pas spam. Ok, le back throw. Même pas, il a fait... Attends, c'est quoi ça? C'est down throw ou up throw déjà? Ah, le... Oh, oh. Bah, en vrai, limite, ce qu'il aurait pu techniquement faire, là, c'est un Bowser side, mais... Enfin, je sais pas. Non, quoique... Bah, parce que... Non, mais tout à l'heure, je crois que c'est parce qu'il avait déjà écramé quelques sous, je crois. Back throw, là, il faut faire. S'il faut refaire un... Trop. Je crois que Captain Cheat n'a pas compris. Ah, dash attack. Mais non. Mais il aurait dû dash attack, il l'aurait tué.
Là, il va tenter un down B, c'est sûr. Ah non. Ah, il se fait tuer par le dernier coup. Ah, le down air qui tue pas. Là, le side B, c'est un forward air, pardon. Voilà, GG. Forward air qui tue notre Captain Cheat. Il aurait fait la dash attack tout à l'heure, là. Il aurait pu le tuer, hein, au lieu de grab. Bon, en tout cas, GG à vous deux. C'était un combat moyen. Je dis moyen parce que ça lag. Sinon, j'aurais dit un beau combat. Donc là, on retient. Hein. Captain Cheat, tu veux dire qu'il a spam parce qu'il a pas du tout spam. Hein. Je peux rejoindre le Discord. Mais t'es déjà sur Discord, non? T'es déjà sur le serveur, mec. Après, le truc, c'est que là, ça va faire sûrement un truc assez chelou parce que du coup, la musique, elle va être en... Enfin, tu vas avoir une voix en écho. Oh, je me suis... Ah, bien joué le grab. Ah là, fallait que je m'échappe parce que... Oh, le downer, c'est parfait. Ouais, je voulais esquiver, mais bon. Oui, mais le Vok. Ah, voilà, erreur. Mes options sont tellement limitées avec le lag. Ça, bah ouais, en même temps. Putain, mais j'ai tenté de faire un putain de coup en truc, mais ça a pas marché. Ah, je suis proche d'esquiver, bordel, le réflexe. Il m'a touché avec le bout de sa griffe, wesh. Another one, bitches. D'accord, le mec m'a grab à l'autre bout de la terre. Je voulais tenter de resquiver rapidement, mais... Mais je peux pas. Ouais, il m'a touché avec ça. Ah, j'ai mal visé le pied. Il y a des fake combats qui sont chou. Des fake combos qui sont chou. Je parle pour Kylian, il est trop fort. Bah, avec Bowser, ouais, ça va. Encore là, je fais pas mal de la merde avec Pouf. Moment d'attente. Bah vous savez quoi, si vu que le combat, on est d'accord pour dire que techniquement le combat entre Kylian et Captain Cheat n'est pas vraiment intéressant vu à quel point il est lagué, je vous propose directement de faire un petit moment de pub pour me soutenir tranquillement. Si voilà, vu que techniquement le combat, voilà, là pour l'instant le combat est fluide, donc le combat, si au bout d'un moment ça lag, je vous mets la pub, c'est, vous êtes prêts. Là pour l'instant c'est fluide, donc je laisse. Et si ça commence à laguer, boum, mets la pub direct. Bon, autant mettre une pub si le combat est lagué et pas intéressant. Ah, il a perdu son pouvoir. Ah, ça se lague un petit peu, mais pas non plus horrible. Juste des petits lags. Si je juste que ça commence à trop laguer, bim bum, pour se tenir, ça fait plaisir, c'est cadeau, c'est gratuit, c'est pour la bonne cause. Là il va tenter un backer, ouais, voilà, malheureusement bah... Maro, tu parlais pour qui Aon Spire, pardon.
parlais pour qui les trucs combo? Enfin les fake combo pardon. Bah du coup non, trucs combo vu qu'il dit fake combo qui sont trous. Tu parlais pour quel perso? Ah ouais non là ça lag un peu là quoi. Vous savez quoi, attends il reste. Oh pas mal, action de Captain Jit. Ok, donner. Putain. Waouh, il a touché avec le vent. avec la force rotationnelle de la Toupie Beyblade. Ok, ça a trop pub. Allez hop. Pour Sora, Ness et Lucas. Attends, bah vu qu'elle a la pub. Ah, ok, je vois, ouais, je vois. Merci en tout cas à ceux qui regardent la pub. Hop. De toute manière, le combat est bugué, donc vous ne ratez rien. Voilà, donc là il est vachement bugué en plus. Donc le combat est pas intéressant, donc je propose de mettre sur le cul pour soutenir quoi. En tout cas, je tiens à remercier ceux qui regarderont la pub. Deux pubs. T'inquiète, tu rates rien. À part un combat buggy. Fuck. Bien, merci à ceux qui ont regardé la pub, ça fait plaisir. Ça permet de soutenir. Et c'est vrai que du coup, je te réponds à Unfire. Si j'aurais mis moins de pubs si c'était si je pouvais contrôler, mais malheureusement, c'est Twitch, donc je ne peux rien faire. Mais de toute façon, comme j'ai dit, bah regarde, tellement c'est lagué, regardez, ils sont même pas encore morts les deux. Voilà, bah voilà, c'est fini. Vous avez vu, techniquement, vous avez rien raté, hein. À part un combat assez lagué, vous avez rien raté, donc c'est pas grave. Presque. Ah oui, il a quand même mis à une vie, hein. Mais ça parce qu'il est... Ah, il a rejoint. Punaise, je me suis suicidé à cause du lag. Ouais, vous voyez à quel point c'est lagué. Moi, je vous dis, vous avez rien raté de très spécial. Je suis le porte-parole, je peux dire, j'approuve, vous avez rien raté. Donc ça fait plaisir, je mets une petite pub, voilà. Faut quand même soutenir. Pour soutenir... C'est... En plus j'en mets jamais des pubs donc voilà, faut quand même au bout d'un moment que j'en mette un petit peu. De temps en temps. Pac-Man! Esquive. Ok. Ok. Ah bien joué Sebi. Ah ça va faire, là c'est trop... Bah ça va par rapport à la première game, ça va en vrai. Non mais frère, c'est abusé, pourquoi là ça a pas marché par contre, le pari... Fallait pas mater mes pecs. C'est quoi ce bug de merde? Ça m'a tout niqué.
Ah ouais, sympa, le sympa. Ah, et c'est passé quoi? Bah ça a littéralement bugué de manière soudaine. Bon, attends, je vais recréer. Je vous mets l'idée directement pour ceux qui veulent, mais je vais changer la commande du coup. Ça m'a kick. C'est normal, j'ai bugué. Bah, j'ai changé la commande parce que putain, et mec, d'un coup j'ai bugué, genre ça. Et what? Ah oui, mais lui, il... Du coup, vu qu'il est pas. Vu que c'est un ami, il peut arriver en deux secondes. Alors je la commande sur internet du coup. Sorry pour ce bug soudain qui est arrivé de nulle part. Hop. Hop, y'a une autre personne qui a rejoint. Ah le ninja, mais je le connais lui. Lui il vient sans prévenir. Bah c'est un ninja quoi, j'ai envie de te dire. Soumettre. Voilà. Bah, attendez, allez devant. Parce que il t'a pas répondu il me semble, mais tu peux venir en voc. Bah j'ai dit en fait, moi j'avais prévenu que s'il vient en voc t'as faire une voix en écho, donc soit en fait je coupe la musique, soit il vient en voc et voilà. Bah attends, s'il y a un Spire, je me laisse passer. Parce que du coup il a pas combattu. Mais ils sont cons ou ils sont cons? Mais putain, alors, okay, alors lui. Alors, c'est qui entre les deux là qui ont lancé là? Ah ouais! Non, pas t'inquiète. Non, pas savoir parce qu'en plus, je suis pire, c'est que je vais bientôt manger là donc. Si tu veux combattre. De toute façon, moi j'ai quand même fait pas mal de jeux tout à l'heure contre Kylian, donc j'ai quand même assez la pointe. PK. Quoi PK? C'est lui. Ouais, mais toi t'as mis prêt. Techniquement là, je devrais vous escourir tous les deux là. Ah, Kylian a. Ok, il s'est battu de. Parce que bien, Kylian, tu as fait preuve de maturité. Ah, bah. Captain Cheat aussi apparemment. Vous pouvez lancer un. C'était un réflexe. Non. On va voir. Bah écoute, c'est notre faute. Voilà. Donc techniquement, je dois virer tous les deux, bande de merde. Bon, le ninja qui est parti sur un random et qui est tombé sur Luigi et. Ah, Hounz. Qui lui est Jounes. On va voir comment il le joue. Alors je crois qu'il tente déjà de faire les petits combos de NES, si je dis pas de bêtises. Mais bon après je le... Ouais là il fait clairement les combos, je reconnais ça. On est coupable, ouais c'est pour ça que je vais vous virer. J'arrive en voc. Non. Je rigole, ouais. Après Captain Cheater c'est pas contre toi, mais vu à quel point comment je vais arrêter dans 2 minutes. D'accord, bah j'avais prévenu mais c'est pas grave. Allo. Allo. Voilà Captain Cheater. J'entends, je sais qui était, ne t'inquiète pas. Allo. Ouais. Je sais. Bon, c'est le dernier combat de la liste du coup. Ah ouais d'accord. Bah oui, bah j'ai prévenu hein. Ouais, je sais, je vois. PK Fire! Ça va, en fait, c'est un bon mec, c'est pas un peu PK Fire. Bah ouais. T'es à la fois rassurant et à la fois pas rassurant du tout, ça veut dire qu'il sait jouer. Bah le ninja ça va, là, il se débrouille bien, ça va plutôt serré. En ce moment, ouais. Là, c'est. En tout cas, moi j'ai déjà fait mon outro, comme ça au moins dès que le combat est terminé, je quitte direct.
Donc en tout cas, merci pour ceux qui ont regardé, ceux qui ont joué, qui ont participé. Donc, pour ceux de la rediffusion, n'hésitez pas à follow la chaîne Twitch, ça fait très plaisir. Sinon, n'hésitez pas à cliquer votre programme, c'est gratuit, ça soutient énormément. Sinon, vous pouvez aussi rejoindre le serveur Discord pour vous poser en activant la commande Discord directement dans le chat. Sinon, vous pouvez aussi, pour ceux de la rediffusion, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à partager, commenter, cocher, ça fait grandement plaisir. J'ai pour le backthrough. Et sur ce, on se termine dès que le match est terminé. Bah au pire, tu sais quoi, on va essayer de trouver quelqu'un qui arrête pendant le combat. Comme ça au moins, voilà, les gens pourront continuer à se battre. Alors, attends. On va vite aller sur Twitch en 2 spi. Allez, charge, s'il te plaît. Smash. Trouver un mec qui a peu de spectateurs et qui est français en l'occurrence. TG. Je vais remettre français. Voilà, comme ça au moins. Choc là, je tombe sur des français. Mais allez, restaure. Ah non, 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 non. Ah oui, je vais d'appliquer, je crois. Tout ma gueule. Ah, bah en fait, y'a personne. On se le fait ce Overwatch ou pas, jour? Bah, c'est après, ça te dit, Myron? Ah, rip. Fini. J'ai vu ça. C'est la fin de fini. Apparemment, y'a que des... Bon, bah, rip. Y'a personne que je peux suivre, que je peux soutenir. Bon bah rip, bah pas de raid alors. Putain, il lag. C'est vrai. Si je suis là, oui. Non, arrête, je parle. Bon, j'espère que ça vous a plu. Que ça tous vous a... Que ça vous a tous plu. Moi, je dois arrêter là et manger. Du coup, bah Myron, on se retrouve cet après-midi. Et Aons, arrête d'être carrément vénère. Sur ce, moi je vous dis à bientôt. Portez-vous bien et un dernier mot, Captain. Ouais. Game over. Ouais.